Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Joxbox TV. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous présenter un glitch sur Cold War qui va vous permettre en multijoueur de faire le XP bot lobby sans kill sur toutes les plateformes. Parce que déjà le illimité ça avait été patché, donc là il n'y a pas de nouvelle version. Par contre le sans kill avait été patché pour les PC. Donc maintenant je vais vous montrer une autre méthode qui a l'air quand même assez simple à faire et qui va vous permettre de le faire. Donc sachez que si vous êtes sur PC, si vous voulez que tous vos défis fonctionnent, il faudra vous mettre comme joueur 2. Il ne faut pas que vous soyez l'hôte de la partie. Donc faites attention quand vous ferez le match à mort, il ne faut pas que vous soyez l'hôte du match à mort. C'est que les consoles qui doivent être l'hôte. Sinon, vous n'allez pas avoir tout ce que vous avez débloqué, ça ne va pas fonctionner. Donc ça c'est important, faites attention ceux qui sont sur PC. Surtout n'oubliez pas de vous abonner, liker et activer la cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter le joueur 1 et le joueur 2. Et comme ça vous allez pouvoir le faire tranquillement. Surtout prenez votre temps quand vous faites ce genre de glitch. Parce que des fois il suffit d'une erreur sur une manip. Si vous voyez que vous avez un problème, ça a bugué, il y a une petite erreur, et ben relancez votre jeu. Pour l'instant ça n'a pas été patché, il est tout nouveau celui-là. Donc voilà, profitez-en. Donc le joueur 1 va aller dans multijoueur et ensuite vous allez contre des bots et ensuite vous cliquez sur paramètres. Le joueur 2 va en multijoueur et là vous invitez le joueur 1. Quand le joueur 2 vous a invité, vous cliquez voir l'invitation et vous acceptez l'invitation. Et ensuite, vous recliquez sur paramètres. Une fois que le joueur 1 vous a rejoint, vous faites rond pour retour et quitter avec le groupe. Ok, donc là, je remets paramètres. Vas-y, c'est bon. Une fois que le joueur 1 est dans paramètres et que là, vous êtes dans le menu multijoueur, jeu en ligne et zombies, vous allez aller sur zombies. Donc ensuite le joueur 2 va dans privé et vous cliquez sur contagion. Donc vous allez aller sur contagion, dès que c'est lancé, vous allez quitter seul et vous allez revenir rejoindre le joueur 1. Donc c'est parti. Donc voilà, là je fais partir seul. Là je vais dans social, là je fais rejoindre le joueur 1. Donc là vous mettez changer carte, vous mettez sanatorium, vous confirmez, vous validez, vous mettez match à mort, commencer partie. Ensuite vous avez une erreur, c'est pas grave, vous la passez, vous mettez social. Là vous allez dans groupe, vous quittez le groupe. Et voilà, là vous allez être séparé du coup de votre collègue, est marqué quitter votre groupe, à quitter votre groupe. À partir de ce moment là ça va lancer. Et là, vous avez 10 minutes pour faire 100 kills, c'est ça? 10 minutes 100 kills. Hein. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas faire les 100 kills, pas faire 50 kills, 50 kills. Plutôt de faire... vous faites chacun 5 minutes. Comme ça, au moins, vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de souci. Je vais peut-être faire un peu le pistolet à coup. Je ne sais pas si je l'ai en secondaire. Là. Ça m'a mis. Non, ça m'a pas mis. Non, c'est pas grave. Là, faut que je me tue. Non, faut pas qu'on se tue. C'est mieux. Donc là, on va se suicider. Au bout de 10 secondes, vous suicidez. Je sais pas si dans l'eau on peut se suicider, non. Par contre, le problème, c'est que j'ai pas de grenade avec ma classe. Donc voilà, au bout de 10 secondes, pensez à vous tuer. Ça, c'est important. Et vous allez réapparaître à peu près au même endroit. Donc vous voyez, normalement, vous réapparaissez au milieu de la map. Il est là-bas. Et après, quand vous l'avez rejoint. Vous allez faire vos 5 minutes chacun. Donc pensez que le PC doit être toujours le joueur 2. Ça doit pas être l'hôte comme moi je suis l'hôte. Donc moi je suis le joueur 1, je suis l'hôte. Donc voilà, après vous réapparaissez juste à côté de votre collègue. Vous allez réapparaître toujours au même endroit. Et là, faites vos défis. Donc, quand vous avez fini vos 10 minutes, ben voilà, hein, après ça va quitter automatiquement.
Je vous conseille de ne pas quitter en cours de partie. De toute façon, si vous voulez finir vos défis, ne quittez pas en cours de partie, ça risque de bugger après. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Profitez-en pour le XP Bot Lobby 100 kills multiplateforme, enfin sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à le faire avant que ce soit patché. En tout cas, voilà, là, il est nouveau celui-là, donc profitez-en surtout. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, liker, activer la cloche de notification. Et on se retrouve bientôt sur le jeu.